Suite du rendez-vous littéraire de votre accès libre ce soir consacré aux éditions Diaspora Noire, nous avons eu le plaisir d'accueillir, ou plutôt d'être accueillis en première partie par Hulot Bail-Guiabert, qui nous a parlé de sa maison d'édition, une maison d'édition numérique, mais également de son ouvrage et de son coup de gueule, la manifestation du 16 juin contre la pratique des talibés. En deuxième partie, donc, avec un immense plaisir, je suis encore une fois accueillie au Nubi Art par Tierno Souleyman Diop-Niang, auteur, poète. Il a édité, j'en ai parlé d'ailleurs dans une des chroniques du 6-9, Lumière de la Renaissance. Une renaissance, une résurrection, beaucoup d'amour dans l'ouvrage. Bonsoir Nahiman, c'est un immense plaisir de te rencontrer enfin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un amour que j'ai couché sur du papier, c'est aussi des souhaits. C'est un condensé de vœux pour ce pays, pour ce continent, pour ma génération. Et tout cela, je l'ai donné le nom de Lumière de la Renaissance grâce à la confiance d'une femme qui n'était pas au Sénégal, qui était en ce moment au Canada. Mais dès qu'elle a pris possession de ce manuscrit, elle m'a dit « je vais le publier ». Et elle s'appelle Hulot Guiabert. Donc je ne cesserai jamais de remercier cette dame parce que pour moi, la reconnaissance, la gratitude, ce sont des qualités très importantes. Et voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Donc merci une fois encore à Hulot qui m'a permis de m'exprimer en tant que jeune. Ce n'est pas souvent facile sous nos tropiques. Souvent j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un délit d'avoir un rêve africain quand on est jeune? On étouffe, on ne nous laisse pas nous exprimer. C'est dur. Alors que pour moi, la passion de la jeunesse, la détermination de la jeunesse, tout cela peut faire avancer les choses. Et cela est vécu et incarné par cette génération, par ma génération, qui veulent faire de bonnes choses, qui veulent faire bouger les choses, qui veulent faire sauter les verrous pour qu'enfin survienne le développement sur ce continent. C'est avec beaucoup de conviction et beaucoup d'amour que tu en parles. Le continent, c'est aussi l'origine de l'humanité, le continent africain. Le retour aux sources, nous n'allons pas parler de racines, c'est révolu. D'identité, c'est révolu. Nous sommes des homo universalis, donc ce n'est plus la peine de parler géographiquement d'une région quelconque. Ta poésie aussi est prenante. J'ai lu les extraits proposés par Hulot. C'est très prenant, c'est très profond et c'est tellement simple et accessible. Est-ce qu'on peut dire que les choses les plus belles, les plus prenantes, pour reprendre le même terme, sont les choses les plus simples en fin de compte? Oui, en fait, il y a un ami qui me disait que, écoute, l'extraordinaire se trouve dans ce qui est ordinaire. Je ne dirai pas non, mais je sais simplement que j'ai couché ces émotions de manière spontanée. Ce qui me venait en tête, ce qui me venait dans le cœur, je l'ai sorti comme ça. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie d'écrire des choses, de m'exprimer sur plusieurs thèmes, sur l'amour, sur le continent, sur l'amitié, sur des choses aussi, marquer ça d'une manière aussi profonde, spirituelle, parce que ça, c'est le côté le plus important chez moi, la spiritualité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, qui fait qu'on se rencontre tous. La spiritualité fait sauter les barrières linguistiques, les barrières raciales, les barrières ethniques. On se rencontre tous parce que c'est l'humanité. On est tous peut-être issus d'une même matrice. Et nous tous, nous sommes destinés vers une seule destination. Je m'excuse de la répétition. Et c'est ça qui m'a fait écrire, je le dirais. C'est ma spiritualité, c'est mon engagement. C'est ma passion. La conviction, la passion, tout cela à partir d'un rêve. Tu parlais de cette apnée. C'est aussi la situation de toute la jeunesse. L'Europe veut émigrer aux États-Unis. L'Afrique veut s'installer en Australie. C'est un peu l'homme, c'est dans la nature de l'homme aussi que d'être insatisfait. Mais quand on a l'écriture, quand on a la peinture, quand on a la passion, ce sont des ouvertures. On se voit à travers l'autre en fin de compte. Et l'autre se voit à travers nous. On se projette au travers de tes rimes, c'est vrai? Merci. En fait, là, c'est un sujet tellement important qui me tient à cœur. Parce que je travaille en ce moment sur ça, sur le leadership. Je travaille avec des jeunes. Et je constate une chose, que la culture, ou bien la culture urbaine particulièrement, qui jadis était un moyen de contestation, d'expression, un exécutoire, et aujourd'hui un canal par lequel des milliers de jeunes dans ce pays, dans ce continent, arrive
en s'en sortir, économiquement parlant. Par exemple, la Biennale, raison de votre présence ici au Sénégal. Il y a des jeunes qui exposent, des jeunes qui sont devenus des auto-entrepreneurs, qui vivent de leur art, par exemple, plus ou moins. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais avec leur tableau, je donne l'exemple du graffiti, l'exemple des slameurs. Ces jeunes-là, aujourd'hui, n'attendent plus que l'État vienne les aider ou bien leur donner un coup de main. Ils se chargent eux-mêmes de leur destin, ils prennent leur destin en main, et c'est très important. Je pense que partout sur ce continent, on vit une culture générationnelle. On a les mêmes sensations, on est abrité par les mêmes sentiments, on a les mêmes desseins. C'est parce que cette jeunesse se trouve à la même surface. Et ça, je pense que c'est une... Il faut que sur ce continent, que la jeunesse cesse d'être la problématique et devienne la solution. Si les dirigeants comprennent cela, cessent de dire la problématique de l'emploi des jeunes, la problématique du chômage. Non, la jeunesse, c'est la solution. C'est une jeunesse créative. C'est une jeunesse qui en veut. C'est une jeunesse qui veut faire bouger les choses. Et c'est une jeunesse, moi je le dis, qui détient les secrets de notre envol dans tous les domaines. Si les dirigeants, encore une fois, comprenaient cela, si les dirigeants sont moins décalés du peuple, parce que je pense qu'ils doivent apprendre de leurs compères. Chaque fois sur ce continent, quand un dirigeant a été décalé du peuple, qu'il marchait par exemple sur des zéphyrs de succès, tout ça, mais le réveil a été brutal. Ils doivent apprendre de cela. Ils doivent revenir au peuple, revenir vers les masses. Et si ça c'est fait, je pense que beaucoup de choses sont possibles sur ce continent. Il y a des auteurs que tu apprécies énormément, mais on ne sent pas cette influence. Tu te nourris, tu t'en inspires. Je ne sais pas si ça va être un paradoxe ou pas, mais ce n'est pas la poésie forcément qui m'inspire. En fait, ce qui m'inspire, c'est, oui, naturellement, le secret de l'écriture, c'est la lecture. Je lis énormément, j'ai toujours lu. Et oui, j'apprécie de grands auteurs, des auteurs souvent venus d'Amérique du Sud. J'en profite par exemple pour m'incliner devant la mémoire d'un des plus grands auteurs de notre siècle, Gabriel Garcia Marquez. Il y a d'autres auteurs sur ce continent aussi qui sont très, très talentueux. La somme de toutes ces lectures, oui, m'inspire. Mais ce n'est pas forcément des poètes qui m'inspirent. Parce que, comme on l'a dit tantôt, dans ce recueil, et quelque part, je pense, Nafissatou Diadiouf l'a dit, c'est une révolution, c'est une révolte, mais une révolte sublime. Donc, j'ai écrit avec le cœur, j'ai écrit ce que je ressentais, j'ai écrit pour beaucoup de choses, j'ai écrit, oui, par nécessité, parce qu'il fallait que cela sorte. Voilà, et donc ce n'est pas de la... Parce que je n'étais pas quelqu'un qui était très fan d'une certaine poésie classique, non. Je ne suis pas un fan de certains auteurs. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, on vit quelque chose d'important dans notre génération, c'est le slam. Aujourd'hui, le slam est une poésie urbaine, mais simple et extraordinaire. Avec le slam, les jeunes arrivent à partager des messages très profonds. Et les jeunes s'y retrouvent parce que les choses changent. C'est ce qu'appelle, dans un autre contexte, un philosophe comme Bachir Diagne, la fidélité dans le mouvement. Oui, on est fidèle au principe de la poésie, mais on bouge, on s'adapte au temps, on s'adapte à l'époque. Oui, à un certain moment, j'ai dû respecter toutes les règles de la poésie, parce que c'était normal, pour ne pas choquer certaines sensibilités. Mais à un moment, je me suis lâché. Voilà, j'ai écrit, j'ai fait sortir ce que je ressentais. Pas forcément ce que voulaient lire ou bien comprendre les professionnels de la poésie. Non, ce que je voulais faire partager. Et je pense que les gens ont peut-être plus ou moins bien accueilli le texte. Quelquefois, on parle de continuité, de rupture. Je sens une rupture totale avec ces jeunes plumes. Ce n'est plus l'histoire qui plaisait à l'autre. Ce qui plaisait à l'autre, c'était le conte, le petit conte, l'histoire de grand-père, l'histoire du village. Ça symbolisait carrément... et l'Afrique, et aussi notre littérature. Actuellement, nous sommes quelquefois dans le conte, on prend celui de Mutelon, c'est de la fiction, c'est une écriture, ce sont 400 pages qui ont été, comme tu le dis si bien, couchées sur du papier, mais en lisant son ouvrage, en parcourant son ouvrage, on se rend compte que c'est un ouvrage universel. On ne devine même pas la nationalité ou les origines de l'auteur. Et c'est à peu près ce qu'on ressent au travers de ton ouvrage. Est-ce que tu le ressens comme ça? Est-ce que tu te sens universel, en fait? Oui. Intéressante question. Et je dirais oui, je me sens universel. Je me sens citoyen du monde. Le dessin, je pense que je l'ai fait exprès. À part quelques textes qui reflétaient carrément la situation du continent, des textes de contestation, la démarche a été universelle, décloisonnée carrément, parce que
Aujourd'hui, je l'ai dit, on vit dans une culture universelle. On fait fi du temps et de l'espace. Et on transpose l'ouvrage. Moi, je le sens comme ça. Si je me trompe, tu me corriges. Hein? Non, mais ça fait énormément plaisir que Nariman dise cela. Parce que, oui, c'était le but visé. Quand j'écrivais, je pense que je vais dire que je suis dans un autre projet littéraire. C'est vrai que ce projet littéraire aussi, quelque part, parle de la situation, surtout de ma génération, de la jeunesse africaine. Mais oui, là-bas aussi, si on enlève le mot africain, ça va parler de toute la jeunesse. Parce que oui, je me sens citoyen du monde. La raison pour laquelle je me sens citoyen, c'est parce que, je l'ai dit tantôt, c'est la spiritualité. Pour moi, le plus important, c'est la rencontre spirituelle, la rencontre du cœur. Ce n'est ni les races, ce n'est ni les ethnies, ce n'est ni les nationalités. Déjà, les nationalités sont les frontières sont fictives. On nous les a imposées. Et aujourd'hui, si on arrive à reconquérir cela, si on arrive à décloisonner tout cela, si on arrive à savoir qu'on partage nous tous le même destin, ce serait super. Et oui, et quelque part, quelqu'un me disait que des fois tu es naïf. Oui, je l'assume, je suis un utopiste, je suis un rêveur, je suis un naïf. Mais je suis conscient de cela et c'est différent. On peut dormir et être inconscient. Mais moi, je suis naïf et je suis conscient de cela parce que c'est ma vision. Je me dis qu'il faut s'engager. Il faut faire quelque chose. Il faut apporter sa pierre à l'édifice. Peu importe. Nelson Mandela, qui est l'une de mes références politiques, ou bien ma référence politique, disait que le succès aura de sens dès lors qu'on ne saura pas à qui ça profitera. Donc, il faut s'engager, mais véritablement. Il faut s'engager avec le cœur, s'engager par des actions. Et la transition est toute trouvée. Parce que, moi, je dis, aujourd'hui, le rêve et l'utopie doivent être nourris par des actions. Sur ce continent, partout, en Afrique, partout dans le monde, Il faut rêver, mais il faut carrément se lever, vivre son rêve, vivre sa légende personnelle, comme dit un des auteurs que j'aime très bien. Il faut se battre, on a besoin de cela. Et tout en se battant, peut-être un jour, chacun peut réaliser son rêve. Merci beaucoup, j'étais en communion avec toi d'ailleurs quand tu parlais. Merci Tierno Souleymen Diop, bonne continuation. Je sais que tu es sur un ouvrage, tu vas l'éditer chez Diaspora Noire, certainement. Oui, on verra. Tu en gardes le secret, je respecte. Hein. Je peux avoir le titre? Oui, je suis sur un projet littéraire. Là, en direct, je te demande de faire partie du comité de lecture. D'accord. Voilà. Le titre, je ne vais pas le dire, mais une chose est sûre, et très sûre, je vais être l'avocat de ma génération. Je vais parler aux dirigeants, je vais parler aux Africains. Je vais parler à ma génération. Ce sera un miroir leçon d'abord, un miroir édifice dans lequel ma génération va se projeter. On va contester, mais on va proposer des solutions. Et espérons que ces solutions seront adaptées et réalisées pour que l'Afrique un jour connaisse le développement. Merci Marie-Marie. Merci beaucoup, merci Tierno. Nous terminons sur cette note. Bonne continuation, merci pour ce bonheur, ce partage. Après une courte pause, nous retrouverons l'auteur, artiste, peintre et musicien Fat Chiello qui viendra nous raconter sa passion. À tout de suite. Suite du rendez-vous littéraire de votre accès libre ce soir consacré aux éditions Diaspora Noire, nous avons eu le plaisir d'accueillir, ou plutôt d'être accueilli en première partie par Hulot Bail-Guiabert, qui nous a parlé de sa maison d'édition, une maison d'édition numérique, mais également de son ouvrage et de son coup de gueule, la manifestation du 16 juin contre la pratique des talibés. En deuxième partie, donc, avec un immense plaisir, je suis encore une fois accueillie au Nubi Art par Tierno Souleymen Diop Niang, auteur, poète. Il a édité, j'en ai parlé d'ailleurs dans une des chroniques du 6-9, Lumière de la Renaissance. Une renaissance, une résurrection. Beaucoup d'amour dans l'ouvrage. Bonsoir Nariman, c'est un immense plaisir de te rencontrer enfin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un amour que j'ai couché sur du papier. C'est aussi des souhaits. C'est un condensé de vœux pour ce pays, pour ce continent, pour ma génération. Et tout cela, je l'ai donné le nom de Lumière de la Renaissance, grâce à la confiance d'une femme qui n'était pas au Sénégal, qui était en ce moment au Canada. Mais dès qu'elle a pris possession de ce manuscrit,
Elle m'a dit, je vais le publier. Et elle s'appelle Hugo Gabert. Donc, je ne cesserai jamais de remercier cette dame parce que pour moi, la reconnaissance, la gratitude, ce sont des qualités très importantes. Et voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, merci une fois encore à Hugo qui m'a permis de m'exprimer en tant que jeune. Ce n'est pas souvent facile sous nos tropiques. Souvent, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un délit d'avoir un rêve africain quand on est jeune? On étouffe, on ne nous laisse pas nous exprimer. C'est dur. Alors que pour moi, la passion de la jeunesse, la détermination de la jeunesse, tout cela peut faire avancer les choses. Et cela est vécu et incarné par cette génération, par ma génération, qui veulent faire de bonnes choses, qui veulent faire bouger les choses, qui veulent faire sauter les verrous pour qu'enfin survienne le développement sur ce continent. C'est avec beaucoup de conviction et beaucoup d'amour que tu en parles. Le continent, c'est aussi l'origine de l'humanité, le continent africain, le retour aux sources. Nous n'allons pas parler de racines, c'est révolu, d'identité, c'est révolu. Nous sommes des homo universalistes, donc ce n'est plus la peine de parler géographiquement d'une région quelconque. Ta poésie aussi est prenante. J'ai lu les extraits proposés par Hulot. C'est très prenant, c'est très profond. Et c'est tellement simple et accessible. Est-ce qu'on peut dire que les choses les plus belles, les plus prenantes, pour reprendre le même terme, sont les choses les plus simples en fin de compte? Oui, en fait, il y a un ami qui me disait que, écoute, l'extraordinaire se trouve dans ce qui est ordinaire. Je ne dirais pas non, mais je sais simplement que j'ai couché ces émotions de manière spontanée. Ce qui me venait en tête, ce qui me venait dans le cœur, je l'ai sorti comme ça. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie d'écrire des choses, de m'exprimer sur plusieurs thèmes, sur l'amour, sur le continent, sur l'amitié, sur des choses aussi, marquer ça d'une manière aussi profonde, spirituelle, parce que ça, c'est le côté le plus important chez moi, la spiritualité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, qui fait qu'on se rencontre tous. La spiritualité fait sauter les barrières linguistiques, les barrières raciales, les barrières ethniques. On se rencontre tous parce que c'est l'humanité. On est tous peut-être issus d'une même matrice. Et nous tous, nous sommes destinés vers une seule destination. Je m'excuse de la répétition. Et c'est ça qui m'a fait écrire, je le dirais. C'est ma spiritualité, c'est mon engagement, c'est ma passion. La conviction, la passion, tout cela à partir d'un rêve. Tu parlais de cette apnée. C'est aussi la situation de toute la jeunesse. L'Europe veut émigrer aux États-Unis, l'Afrique veut s'installer en Australie. C'est un peu l'homme, c'est dans la nature de l'homme aussi que d'être insatisfait. Mais quand on a l'écriture, quand on a la peinture, quand on a la passion, ce sont des ouvertures. On se voit à travers l'autre en fin de compte, et l'autre se voit à travers nous. On se projette au travers de tes rimes, c'est vrai? Merci. En fait, là, c'est un sujet tellement important qui me tient à cœur parce que je travaille en ce moment sur ça, sur le leadership. Je travaille avec des jeunes et je constate une chose, que la culture, ou bien la culture urbaine particulièrement, qui jadis était un moyen de contestation, d'expression, un exécutoire et aujourd'hui un canal par lequel des milliers de jeunes dans ce pays, dans ce continent, arrivent en s'en sortir économiquement parlant. Par exemple, la Biennale, raison de votre présence ici au Sénégal, il y a des jeunes qui exposent, des jeunes qui sont devenus des auto-entrepreneurs, qui vivent de leur art, par exemple, plus ou moins, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais avec leurs tableaux, je donne l'exemple du graffiti, l'exemple des slameurs. Ces jeunes-là aujourd'hui n'attendent plus que l'État vienne les aider ou bien leur donner un coup de main. Ils se chargent eux-mêmes de leur destin, ils prennent leur destin en main et c'est très important. Je pense que partout sur ce continent, on vit une culture générationnelle. On a les mêmes sensations, on est abrité par les mêmes sentiments, on a les mêmes desseins. C'est parce que cette jeunesse se trouve à la même surface. Et ça, je pense que c'est une. Il faut que sur ce continent, que la jeunesse cesse d'être la problématique et devienne la solution. Si les dirigeants comprennent cela, cessent de dire la problématique de l'emploi des jeunes, la problématique du chômage. Non! La jeunesse, c'est la solution. C'est une jeunesse créative. C'est une jeunesse qui en veut. C'est une jeunesse qui veut faire bouger les choses. Et c'est une jeunesse, moi je le dis, qui détient les secrets de notre envol dans tous les domaines. Si les dirigeants, encore une fois, comprenaient cela, si les dirigeants sont moins décalés du peuple, parce que je pense qu'ils doivent apprendre de leurs compères. Chaque fois sur ce continent, quand un dirigeant a été décalé du peuple, qu'il marchait par exemple sur des zéphyrs de succès, tout ça, mais le réveil a été brutal. Ils doivent apprendre de cela. Ils doivent revenir au peuple, revenir vers les masses. Et si ça c'est fait, je pense que beaucoup de choses sont possibles sur ce continent. Il y a des auteurs que tu apprécies,
énormément, mais on ne sent pas cette influence. Tu te nourris, tu t'en inspires. Je ne sais pas si ça va être un paradoxe ou pas, mais ce n'est pas la poésie forcément qui m'inspire. En fait, ce qui m'inspire, c'est, oui, naturellement, le secret de l'écriture, c'est la lecture. Je lis énormément, j'ai toujours lu. Et oui, j'apprécie de grands auteurs, des auteurs souvent venus d'Amérique du Sud. J'en profite par exemple pour m'incliner devant la mémoire d'un des plus grands auteurs de notre siècle, Gabriel Garcia Marquez. Il y a d'autres auteurs sur ce continent aussi qui sont très, très talentueux. La somme de toutes ces lectures, oui, m'inspire. Mais ce n'est pas forcément des poètes qui m'inspirent. Parce que, comme on l'a dit tantôt, dans ce recueil, et quelque part, je pense, Nafissatou Diadjouf l'a dit, c'est une révolution, c'est une révolte, mais une révolte sublime. Donc, j'ai écrit avec le cœur, j'ai écrit ce que je ressentais, j'ai écrit pour beaucoup de choses, j'ai écrit, oui, par nécessité, parce qu'il fallait que cela sorte. Voilà, et donc ce n'est pas de la... Parce que je n'étais pas quelqu'un qui était très fan d'une certaine poésie classique, non. Je ne suis pas fan de certains auteurs. Mais aujourd'hui, et je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, on vit quelque chose d'important dans notre génération, c'est le slam. Aujourd'hui, le slam est une poésie urbaine, mais simple et extraordinaire. Avec le slam, les jeunes arrivent à partager des messages très profonds. Et les jeunes s'y retrouvent parce que les choses changent. C'est ce qu'appelle, dans un autre contexte, un philosophe comme Bachir Diagne, la fidélité dans le mouvement. Oui, on est fidèle au principe de la poésie, mais on bouge, on s'adapte au temps, on s'adapte à l'époque. Oui, à un certain moment, j'ai dû respecter toutes les règles de la poésie, parce que c'était normal, pour ne pas choquer certaines sensibilités. Mais à un moment, je me suis lâché. Voilà, j'ai écrit, j'ai fait sortir ce que je ressentais. Pas forcément ce que voulaient lire ou bien comprendre les professionnels de la poésie. Non, ce que je voulais faire partager. Et je pense que les gens ont peut-être plus ou moins bien accueilli le texte. Quelquefois, on parle de continuité, de rupture. Je sens une rupture totale avec ces jeunes plumes. Ce n'est plus l'histoire qui plaisait à l'autre. Ce qui plaisait à l'autre, c'était le conte, le petit conte, l'histoire de grand-père, l'histoire du village. Ça symbolisait carrément... et l'Afrique, et aussi notre littérature. Actuellement, nous sommes quelquefois dans le conte, on prend celui de Mutelon, c'est de la fiction, c'est une écriture, ce sont 400 pages qui ont été, comme tu le dis si bien, couchées sur du papier, mais en lisant son ouvrage, en parcourant son ouvrage, on se rend compte que c'est un ouvrage universel. On ne devine même pas la nationalité ou les origines de l'auteur. Et c'est à peu près ce qu'on ressent au travers de ton ouvrage. Est-ce que tu le ressens comme ça? Est-ce que tu te sens universel en fait? Oui, intéressante question. Et je dirais oui, je me sens universel, je me sens citoyen du monde. Le dessin, je pense que je l'ai fait exprès. À part quelques textes qui reflétaient carrément la situation du continent, des textes de contestation, la démarche a été universelle, décloisonnée carrément, parce que aujourd'hui, je l'ai dit, on vit dans une culture universelle. On fait fi du temps et de l'espace. Et on transpose l'ouvrage. Moi, je le sens comme ça. Si je me trompe, tu me corriges. Hein? Non, mais ça fait énormément plaisir que Nariman dise cela. Parce que, oui, c'était le but visé. Quand j'écrivais, je pense que je vais dire que je suis dans un autre projet littéraire. C'est vrai que ce projet littéraire aussi, quelque part, parle de la situation, surtout de ma génération, de la jeunesse africaine. Mais oui, là-bas aussi, si on enlève le mot africain, ça va parler de toute la jeunesse. Parce que oui, je me sens citoyen du monde. La raison pour laquelle je me sens citoyen, c'est parce que, je l'ai dit tantôt, c'est la spiritualité. Pour moi, le plus important, c'est la rencontre spirituelle, la rencontre du cœur. Ce n'est ni les races, ce n'est ni les ethnies, ce n'est ni les nationalités. Déjà, les nationalités sont les frontières sont fictives, on nous les a imposées. Et aujourd'hui, si on arrive à reconquérir cela, si on arrive à décloisonner tout cela, si on arrive à savoir qu'on partage nous tous le même destin, ce serait super. Et oui, et quelque part, quelqu'un me disait que des fois tu es naïf. Oui, je l'assume, je suis un utopiste, je suis un rêveur, je suis un naïf. Mais je suis conscient de cela et c'est différent. On peut dormir et être inconscient. Mais moi, je suis naïf et je suis conscient de cela parce que c'est ma vision. Je me dis qu'il faut s'engager. Il faut faire quelque chose, il faut apporter sa pierre à l'édifice
Peu importe, Nelson Mandela, qui est l'une de mes références politiques, ou bien ma référence politique, disait que le succès aura de sens dès lors qu'on ne saura pas à qui ça profitera. Donc il faut s'engager, mais véritablement. Il faut s'engager avec le cœur, s'engager par des actions. Et la transition est toute trouvée parce que, moi je dis, aujourd'hui, le rêve et l'utopie doivent être nourris par des actions. Sur ce continent, partout, en Afrique, partout dans le monde, il faut rêver, mais il faut carrément se lever, vivre son rêve, vivre sa légende personnelle, comme dit l'un des auteurs que j'aime très bien. Il faut se battre. On a besoin de cela. Et tout en se battant, peut-être un jour, chacun peut réaliser son rêve. Merci beaucoup. J'étais en communion avec toi, d'ailleurs, quand tu parlais. Merci, Tierno Souleymane Diop. Bonne continuation. Je sais que tu es sur un ouvrage. Tu vas l'éditer chez Diaspora Noire, certainement. Et oui, on verra. Tu en gardes le secret, je respecte. Hein. Je peux avoir le titre? Oui, je suis sur un projet littéraire. Là, en direct, je te demande de faire partie du comité de lecture. D'accord. Voilà. Le titre, je ne vais pas le dire, mais une chose est sûre, et très sûre, je vais être l'avocat de ma génération. Je vais parler aux dirigeants, je vais parler aux Africains, je vais parler à ma génération. Ce sera un miroir leçon d'abord, un miroir édifice dans lequel ma génération va se projeter, on va contester, mais on va proposer des solutions. Et espérons que ces solutions seront adaptées et réalisées pour que l'Afrique un jour connaisse le développement. Merci Marie-Marie. Merci beaucoup, merci Tierno. Nous terminons sur cette note. Bonne continuation, merci pour ce bonheur, ce partage. Après une courte pause, nous retrouverons l'auteur, artiste, peintre et musicien, Fat Cielo, qui viendra nous raconter sa passion. À tout de suite.